Vous êtes genre, je sais pas, 300-400. Ça fait plus de bruit, 300-400 normalement, on va s'en faire. Est-ce que vous allez bien? Ouais. C'est mieux. T'entends pas, toi. Peux-tu parler dans ton micro, Lucie? Marteau, est-ce qu'on peut entendre Lucie, s'il te plaît? Je peux pas chanter sans elle, en fait. Enfin, je peux, mais ça va être chiant pour vous. Tu vois, si vous entendez que moi, c'est pas très marrant, c'est très redondant. C'est mieux avec Lucie. Tu veux pas suivre avec le cul? D'accord. Wow. Vous avez du son dans vos oreilles? Vas-y, on fait sans micro. On fait sans micro? Yeah! Non, c'est une blague, on va faire ça, sinon on va tous finir à faune, hein, je pense. Alors, vous vivez toujours pas? Non, c'est sympa. On va faire un jeu qui s'appelle Clap dans tes mains. C'est mort. Un, deux, un, deux. Alors, normalement, normalement, dans ces moments-là, il y a des gens qui savent meubler. Moi, voilà, genre un animateur. Viens meubler, parce que moi je veux bien essayer, mais ils vont se faire chier si je meuble. Attendez les filles, alors attends. Soit. Voilà, bien ça. Non, dites-moi les filles, ça fait. C'est pas la première année, les pièges jeunes. Non. Combien d'années? Deux, c'est la. Vous êtes sûr? C'est deux ou trois? Attention. Trop tard. Trop tard. Deux ou trois, les pièges jaunes? Pièges jaunes pour vous. Deux fois. Deux fois. Vous étiez où l'année dernière? Vous n'étiez pas là. L'année dernière. L'année dernière. En tournée. Les années d'avant, on était soit en concert, soit en concert. D'accord, 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 d'accord. Mais c'était sympa les pièges jaunes. Oui, c'est mieux. Pas les pièges jaunes. Hein. Voilà. Mais non, mais ça fait plaisir d'avoir ce que je disais des artistes fidèles. Parce que bon, voilà, moi j'ai fait les pièges jaunes en 96. Alors, j'imagine que vous étiez même pas nés. Bah non, mais bah, voilà, vous étiez comme ça, comme ça. Et on a eu des tonnes d'artistes qui nous ont rejoints au fil des années, les Marc Lavoine, Jennifer, Marc Pokora, des tonnes d'artistes. Et chaque fois, c'était une ambiance différente, la folie. Voilà. Est-ce que ça marche, Evie? Non, mais sinon, c'est vrai qu'on n'a pas besoin de micro, hein, je suis d'accord avec vous, il n'y a pas besoin nécessairement de micro. Ça vous arrive d'ailleurs de faire des choses complètement, j'allais dire, okay. Oui, acoustique, ça veut dire le faire, chef. Ouais, ça nous arrive. Après, on ne peut pas faire ça devant autant de gens parce que c'est pas du bruit. C'est très vite, très fatiguant vocalement. Et puis pour les gens, c'est pas super marrant parce qu'ils sont obligés de se taire, ils sont obligés de rien faire. Du bruit, ça passe au-dessus. Non, ça c'est le violoncelle sans micro. Voilà, ça fait du bruit, hein, mais, voilà. Mais oui, ça nous arrive. Par exemple, l'endroit le plus sur la liste où vous avez chanté, enfin le plus incroyable, je sais pas moi, une église. On a joué dans une église à Austin en 2016. C'était une chapelle. C'était pas mal. Et par contre, on a été sur le deuxième, c'était génial. Ça doit être une expérience incroyable. Mais qu'est-ce qui se passe? On doit lui raconter des trucs là, maintenant. Alors les garçons, la régie, vous nous dites. Hein, mais sinon, on peut raconter des choses toute la soirée. Marteau, t'es viré! Dans ces cas-là, on parle souvent, alors c'est quoi vos projets, etc. etc. Projet de tournée, album. L'album est sorti en juin. C'est encore tout frais, on a fini la tournée il n'y a pas longtemps, il y a un mois, en fait, on a fini ça début décembre, on a fini un mois. Là, on part en résidence pour écrire un deuxième album. Voilà. Quand on dit en résidence, vous expliquez, alors c'est genre vous partez, vous mettre au vert, mais où? Qui décide d'où vous partez? Ça dépend. Là, on n'a pas pris la décision parce qu'on nous a proposé une destination ensoleillée pendant 15 jours, donc clairement, on a résidence. Et en fait, on s'enferme pendant 15 jours. Mais à contrario, si vous partez dans un endroit ensoleillé, c'est pas pour s'enfermer, c'est pour aller profiter, non? Et donc, du coup, on n'écrit pas. Si, on écrit, mais comme il fait beau dehors, c'est pas grave, c'est le tien. C'est vrai. Genre Miami, genre. Non. Non, Miami, c'est trop loin, tu fais plusieurs avions, et puis si elle fera pas plusieurs avions, elle va prendre un transfert d'avion. C'est vrai? Mais comment c'est possible pour un artiste, par exemple, de voyager dans le monde quand on n'est pas voyagé? Ça doit être difficile aussi, non? Ou de voler, de. Allô la régie, il y a quelqu'un, c'est bon? Mais toujours pas? Les filles, je suis désolé, ça fait toujours vous, vous comprenez ça? Mais oui, non, vous savez, c'est comme ça. A cappella! Ah ben oui, non mais. On va faire mal, je pense. On va entendre. Oui, je peux aller là-bas, mais. Vous pouvez nous dire? Chérie, est-ce que tu peux nous dire ce qui se passe? Comme ça, on sait à combien de temps on doit dire n'importe quoi! Bien ça! Moi, je ne vais pas non plus. Le manager et le sondier sont virés. Ouais, à contrario, ce qu'il faut vous raconter, c'est que quand il y a des concerts, il y a des tas de réglages avant, de balances. C'est pas le truc qui s'improvise. C'est vrai que souvent, sur ce genre de prestations, c'est un petit peu plus rapide. Non, mais pour moi, sinon, c'est surtout le monde et les gros chinois, avec toujours des problèmes techniques.
bon, c'est normal. Si elle est pas clinique, c'est que tout va bien se passer. C'est normal. Les chats noirs seraient plus tendres. Ouais, c'est pour le groupe, hein. Les chats noirs. Ça va durer 4 heures. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut aller prendre un café. Dans un instant, la suite de nos programmes. Veuillez nous quitter.